Challenge accepté. Nous allons faire Subnautica difficulté hardcore. Vous êtes prêts? Jouez! Commencez une nouvelle partie. Mes sauvegardes d'avant, elles sont où? Elles sont sur l'ancien PC peut-être? Commencez une nouvelle partie. Survie libre, extrême, créatif. Un mode survie avec une seule vie seulement, pas d'alerte d'oxygène. Oxygène. À commencer par. L'alerte d'oxygène, c'est vous qui la faites, hein, si vous commencez à la faire. Hein. Alors qu'il n'a pas besoin. Ça va chier. Donc on fait l'aventure ensemble, les amis. Les reprises, donc. Enfin des lives sur Subnautica. Tellement longtemps qu'on l'attend, ce jeu, nom de Dieu, c'est parti! Tu vas bien, il me tape. Alors, t'es content? Tu dois être grave content, non? Tu recordes ou pas? Ouais, je recorde également. Si on arrive à faire l'aventure, on la mettra sur YouTube. Si jamais elle est cool, on mettra l'aventure en extrême sur YouTube. Difficulté hardcore. Ou pas, remarque, je vais pas spoiler. Si on y arrive pas, on la mettra peut-être également sur YouTube. Parce que sinon, je vais spoiler donc l'aventure. Hein? Suspense. C'est le bordel. Je me rappelle que la musique au début, elle envoie grave en plus. Oh mon dieu, un début d'incendie. Ah si, un incendie bien commencé plutôt. Impeccable, c'est good. La barbecue partie est terminée. Démarrage en mode urgence. Vous avez subi un léger traumatisme crânien. Au regard de votre situation, aucun résultat n'aurait pu être optimal. N'aurait pu être plus optimal. Ce PDA va redémarrer en mode urgence avec une seule mission, vous maintenir en vie sur une planète alien. Veuillez vous référer à la base de données pour un guide de survie détaillé. Bonne chance. Tac, bon tout ça on l'a vu, nickel, pas de soucis. You have suffered minor head trauma. This is considered an optimal outcome. This PDA has now rebooted in emergency mode with one directive to keep you alive on an alien. Tu parles beaucoup, dis donc. On va sortir un petit peu, voir ce qui se passe dehors. Good luck. C'est parti les amis. Première exploration. L'Aurora a subi une défaillance orbitale de la coque catastrophique cause inconnue. Aucun signe de vie humaine détecté. Attendez, je vais me mettre en haut, vous allez voir. Ah, putain, j'en étais sûr. C'est par là qu'il faut sortir au début. Ouais, c'est mon vaisseau qui s'est crashé. Corallienne isolation. Bonjour. Ah putain, j'en étais sûr, putain, sans déconner. Enfin non, j'en étais pas sûr, mais ça m'étonne même pas. C'est vraiment un plaisir de te savoir là, mon cher Evo, sur cette aventure qu'on reprend à la Subnautica. Et merci à vous tous d'être là, les amis. Merci pour cette deuxième aventure sur ce jeu que j'ai vraiment, vraiment aimé. C'est pour moi un des meilleurs jeux de survie à ce jour. J'ai dit un des meilleurs jeux. Attention, j'ai pas dit le meilleur jeu. Parce que je veux pas enclencher des jalousies et je veux pas qu'on me dise « Non, c'est ça le meilleur jeu. Non, c'est The Forest. Non, c'est Ark. Non, c'est Subnautica. » Non, je veux pas la guéguerre. C'est un des meilleurs jeux. Pour pas dire le meilleur. Allez, on attaque tout de suite. Hop. Alors. Bon, et il faut qu'on répare un petit peu tout ce bordel là. Je me rappelle plus. Alors c'est trop cool, hein. C'est vraiment la redécouverte. Hein. Utiliser un outil de réparation. Fabricateur, ok. Qu'est-ce qu'on a là? Kit de soins, extincteur, ça roule. Oxygène. Ça y est, vous commencez à faire des bêtises. Alors attends, il faut que je répare ça. Il faut que je mette... radio endommagée. Batterie solaire à 25. Utiliser l'outil de réparation. D'accord, ok, donc il faut que je me fasse un outil de réparation. Caoutchouc en silicone. Ah non, il faut faire autre chose au début du coup. Je me rappelle plus du jeu, hein.
Vraiment. Ah si, je me rappelle, mais pas de tout, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, donc, de base? On peut utiliser le fabricateur, ça c'est pas problématique, ok. Donc, il va nous falloir... Ouais, le truc de réparation, ouais. Tac, outil de réparation. Soufre de cave, du titane et du caoutchouc. Y'a pas des cailloux quelque part? Par ici? Non? Là, voilà, nickel. Allez, du soufre de cave, il faut que j'arrive à trouver une grotte. Je remonte tout de suite, hein. Ouais. Là, mon oxygène, vous la voyez? C'est bien, j'ai même pas besoin de bouger ma caméra. Vous voyez mon oxygène, du coup, qui est là-bas. Je suis de retour à 45, parfait. Ah, putain, cette musique! Quel kiff! C'est bon, on a trouvé la fameuse caverne. On remonte tout de suite à la surface. Parfait. What the fuck? Oxygène. Non, non, arrêtez de mentir! Putain, vous êtes les pires! Du cuivre, nickel. Du coup, mon cher Mitsu, je relève le défi hein, de tenter l'aventure en hardcore. Ça va vraiment pas être simple. Ça va vraiment être super dur, mais on va tenter. 15, 12. Salut Captix. J'arrive. Ouais, t'arrives pile à l'heure pour ce mythique à mon poulet, ouais. On reprend l'aventure, ça y est, c'est trop cool. Je suis trop content, tu peux pas t'imaginer. Ce jeu, je vais rêver de Subnautica cette nuit, j'en suis sûr. Là, je cherche du soufre. Donc, il faut, dans les cavernes, normalement, il va y avoir des poissons. J'arrive pas à trouver du soufre. Tiens, on peut récupérer ça aussi. Ça pourra nous servir, ouais. Me dis, un jour, si jamais on connaît vraiment Subnautica par cœur, on pourrait faire un 24h Subnautica si ça vous tente, ça pourrait être drôle. Ça pourrait être sympa. On va récupérer... Il va falloir que je récupère des poissons aussi, tiens. Nickel. Des débris métalliques. Un ponchon. On a récupéré un petit ponchon. Alien life forms may have unexpected applications. Utilizing alien resources is a proven survival strategy. Je vais trouver du soufre là-dedans. Ouais, un pochon! Silver-based wiring kits are an essential component of many habitat modules. Non, toujours pas? J'arrive pas à trouver de soufre. Ah, c'est pénible ça. Salut Delta Wind, tu vas bien? Ça y est, il est où? Vous l'avez entendu? Il doit être là-dedans. Putain, mon oxygène. Oh, bordel. Whispot. Ouais, il est insane. Vraiment, il est insane. C'est un... Regarde un petit peu avant, quand même, d'être sûr. Mais franchement, si t'es passionné par les abysses, tu vas kiffer, c'est un jeu incroyable. Merci pour les 5,27€. Merci à toi. Attention, attention, attention! L'explosion qui a fait mal. J'ai pas vu d'où il est parti. J'ai pas vu d'où il est parti, putain. Il est là. Ok, c'est bon, on a récupéré le soufre. On va récupérer un deuxième soufre en vitesse. Nickel. Tac, on replonge. Il a explosé, c'est bon, on peut récupérer le deuxième soufre. Là,
Non, c'est pas là, c'est là-bas. Ok. Parfait, j'ai récupéré deux soufres. Peut-être un petit troisième pour la route? Ça serait cool, non? On va pouvoir commencer à crafter quelques petites choses là avec ce qu'on a récupéré. Cool. Récupérer un petit poisson encore sur la route. Un ou deux petits poissons. Là? Ouais, comme ça on va pouvoir manger. C'est super beau. Ouais, c'est ouf. Il est ouf ce jeu, il est trop bon. Tac, alors. On commence par la nourriture d'abord. Donc on se fait une petite bouteille de flotte. Voilà, ensuite on va... Non, le ponchon cuit, c'est un crime. Interdiction de faire ça. On ne cuit pas le ponchon, jamais. Le pochon, le pochon. Tac, allez. On boit un coup, on mange, nickel. C'est bon, c'est bien restauré. Ensuite, donc on a dit qu'il fallait faire quoi? Il fallait faire... Je voulais donc me faire un kit de réparation, c'est ça? Comment on appelle ça? L'outil de réparation. Caoutchouc en silicone. Matériau de base. Caoutchouc en silicone. Et à présent, donc, on peut faire l'outil de réparation. Un des trucs qu'il faut toujours... faut toujours l'avoir sur soi, ça. C'est super important. Tac. Je vais pouvoir donc réparer... C'est quoi ça? C'est la radio, c'est ça? Capsule de stockage? Non, c'est quoi? C'est quoi que je viens de réparer là? Système secondaire de capsule. Ok, d'accord. Attends, je vais tout réparer. Ça, c'est pour avoir. Ça, c'est la radio, si je me trompe pas. Ouais, ça, c'est la radio. Maintenant, ce que je veux, c'est le scanner. Il me faut une pile. Revenzu, il me faut une pile tout de suite. Et pour ça, il nous faut des champignons d'acide. Ah, il fait nuit, ça y est. Allez, les champignons, ils ajustent là. Et après, on va pouvoir tout scanner. Ça va être trop cool. Ouais. Donc, scanner pour apprendre, apprendre à faire plus de trucs. Tac. On fait la pile. Fais gaffe, tu manques de salé. Salut Glorion, ça roule, tu vas bien? Je ne connais pas ce jeu, tu vas voir, c'est une tuerie, il est trop bien. Salut Loxy, bienvenue sur la chaîne. Attendez, on va mettre des choses de côté de, dans le... Il faut que je libère. Je mets du cristal de côté. Merci Destrox, merci pour le follow. Bienvenue à toi. On met le quartz de côté. Voilà. Je mets tout de côté. Vous savez quoi? Hop, caoutchouc en silicone, j'en ai un ici. Du soufre, j'en ai là. Je vais garder de la vie. Les débris métalliques. Les débris métalliques, je vais tout de suite les transformer en titane. Voilà. Clic droit pour déplacer. Merci poulet. Merci. Ça va aller plus vite du coup. Droit pour déplacer. Ouais, ça va plus vite. On a des rations ici, on a de l'eau en réserve. Là, je suis au taquet. Je suis au taquet. Merci Loxy, ça fait super plaisir. Merci à toi poulet, merci de passer sur la chaîne Twitch. Je te souhaite la bienvenue poulet. Alors attendez. Il y avait une zone pas très loin. Je vais quand même regarder, j'aimerais bien me faire mes palmes tout de suite pour me déplacer plus vite. Hein, on va voir ce qu'on peut faire déjà comme premier kit. Salut mon cher Pingouin, tu vas bien? Ouais, il faut que je fasse les palmes. J'ai ce qu'il faut pour les faire, regardez. T'as vu ça? Eh, vous avez vu, ça a pas changé ça par contre, hein. Je passe mon temps à appuyer sur échappe pour sortir de l'inventaire, je sais pas pourquoi. Hein. C'est un truc de malade, hein. J'arrive pas. Hein. Tac, et on fait... On fait les palmes, yes. Ça y est, les palmes, je les ai. Je nage un petit peu plus vite, hein. J'augmente ma vitesse de nage de 15%.
Nickel. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Le tuyau, on s'en fout. La pompe à air flottante, on s'en fout. Je me rappelle que je l'avais fait, c'est à un moment pour aller visiter une galerie. Je m'étais galéré là à faire un espèce de tuyau là. Oh putain. Et vous m'aviez laissé faire. Mais heureusement, parce que c'était la première découverte. Qu'est-ce que vous avez rigolé à ce moment-là d'ailleurs? C'était en mode, toi, tu t'étais galéré à faire ça? Non, non, mais bon, laisse-le faire, tu vas voir, c'est drôle. Réserve d'oxygène standard. Parfait. J'ai 45 de base. Ça va augmenter donc ma réserve. Et je passe à 75 d'entrée de jeu. Putain, nickel. Trop cool. Ok. Donc, standard, c'est bon. Ça, c'est bon. Kit de soins, extincteur, on s'en fout. Ok, on a le kit de base. Déjà, on est bien. C'est quoi l'histoire du pochon? Du pochon. C'est en fait un poisson qui va te servir à faire de la flotte. Mais tu peux également le manger si tu veux. Mais c'est un peu un sacrilège, tu vois, de manger un pochon. Un pochon. C'est plutôt un poisson qui te sert à apaiser ta soif, tu vois. J'ai fini le jeu 15 fois en 5 minutes. Je sais en faire un. Hop, allez. Sacrilège, mais c'est pas grave. Est-ce que tu peux te déplacer avec ta base? Non, mais plus tard, oui. Quand j'aurai construit une certaine base, un certain véhicule, j'aurai la possibilité. Après, j'en dis pas plus. Tac. Pour l'instant, il va falloir que j'apprenne à faire d'autres choses. Là, vous voyez, je peux... Ah, si. Donc, il nous faut quoi? Du verre, du titane. On va essayer de faire ça tout de suite. Réservoir à haute capacité. Comme ça, on est bien. Donc, du verre, du titane. Le verre, je crois qu'on peut le faire. Le verre, c'est où? C'est là. Donc, il nous faut du quartz. Ok. Tac. Tac, tac. Ouais. C'est Dracer, c'est vrai, ouais. Tu peux utiliser l'extincteur pour te propulser, pour aller un petit peu plus vite, effectivement, sous l'eau. Je crois, ouais. Ouais. Imhotep m'avait dit ça, ouais. Alors ça, c'est bon. Tac. Ensuite. 4 de titane. J'ai pas assez de titane, là? Je devrais en avoir dans la réserve, non? Ah, il me manque un peu de titane. Allez, mission titane, les amis. On va se diriger vers les épaves. Ça, par exemple, on va pouvoir apprendre à le faire, mais ça, même si ça sert pas à grand chose, ça peut nous permettre de pêcher les poissons. Voilà. Donc j'en ai scanné un, j'en ai 50%, et le deuxième. Nouveau schéma synthétisé. Et la prochaine fois que je trouverai une petite boule comme ça, donc maintenant, ça me donnera du titane. Là, j'ai récupéré combien? Un titane, je crois, non? Deux de titane. Nickel. Fragment du Seaglide. Ah, le Seaglide, donc, prochain véhicule, le tout premier véhicule qu'on va utiliser. Trop cool, on va pouvoir se déplacer super vite comme ça. Oxygène. Ouais, effectivement, ouais, merci. J'étais en train d'y penser, ouais. GG poulet. Je vais faire la grosse bonbonne d'oxygène, comme ça je vais être vraiment tranquille au début. Hein. Dès le début on sera je crois à 200, ou un petit peu moins de 200. Tu es mort combien de fois? Pour l'instant zéro, on est en train de jouer en hardcore. Du coup c'est la première fois qu'on fait l'aventure en hardcore. C'est la deuxième fois que je joue à Subnautica, ma deuxième aventure. J'ai adoré la première aventure. Un deuxième fragment? Non, c'est une balise. Ah, ça c'est super important, les balises aussi. Bon, on connaît le jeu donc au final... Mais c'est quand même utile, hein. Ouais, parce que la map est quand même très très grande, hein, l'air de rien. J'ai récupéré le titane, nickel. Ça on peut pas, ok. On est à 30 d'oxygène. Ça on a récupéré. Faut que j'appuie sur la barre espace pour remonter. Allez, on remonte tout de suite maintenant. Ça passe.
Salut, IJ, ça va et toi? Tu vas bien? Coucou, empereur! Comment vas-tu? C'est tout ce qu'il y avait donc? J'aimerais bien récupérer l'autre partie du Seaglide. Non, c'est pas ici? Ah, dommage. Ça m'aurait permis d'avoir le Seaglide tout de suite. Ouais, ça aurait été trop simple. Ah! Ouais, fragment de balise. Donc du titane. Du titane pour Varg, nickel. Mais l'autre fragment de Seaglide. Dommage. Ça sera dans une autre zone. Ah, attendez, là peut-être? Oui! On a débloqué le Seaglide. Alors c'est, ça va me servir donc pour me déplacer plus vite. Je vais pouvoir me déplacer plus vite sous l'eau. Trop cool. Salut Bastien des Dragons, tu vas bien? Ça roule mon poulet? Tu peux aller jusqu'à quelle profondeur? Je te dis pas, tu verras, c'est la surprise. Milou, ça roule ou quoi poulet? Je suis trop content, Subnautica, c'est vraiment trop cool. J'espère que tu vas bien Milou. Tout de suite, on fait donc... Réservoir d'oxygène standard, je l'ai déjà. Attends, il faut que je le mette là, c'est pour ça? Ok. Il fallait que je le sorte donc de mon équipement, ouais. Et maintenant, je pouvais aller à 75, et là, je peux aller à combien? 150? 135, c'est cool. C'est bien, là, on est tranquille. On va faire le Seaglide. Ça, c'est, voilà, c'est les tout premiers objectifs. Je me rappelle sur ma première aventure, et j'ai mis du temps avant de faire ça, je voulais vraiment prendre mon temps pour découvrir le jeu. Donc pile, lubrifiant et du fil de cuivre, très bien. Alors les fils de cuivre, il nous faut 2 de cuivre. J'ai 1 de cuivre pour l'instant, on va déposer tout ça ici pour l'instant. Il me semble qu'il faut les graines de vigne d'orin pour faire du lubrifiant. Salut Brian, ça roule poulet? Tu vas bien? T'imagines, t'arrives sur une planète sans oxygène au début. Première minute, fin du jeu. C'est trop ça. C'est trop ça. Ouais, j'ai Bélo Zéro, mais je veux pas y jouer pour l'instant. J'attends en fait que le jeu soit... J'attends que le jeu sorte officiellement, qu'il n'y ait pas de bug, tu vois, pour pouvoir profiter de l'aventure sans aucun problème, tu vois ce que je veux dire? Un recycleur. Conserve l'oxygène. En plongée profonde, absorbe et recycle. Oh, ok, ça je vais en avoir besoin aussi. Mes priorités au Seaglide d'abord. Attendez, il est passé où le Seaglide? Là, déployable. Lubrifiant, fil de cuivre, titane, pile. Il va me falloir du cuivre. Du cuivre? Il me faut du cuivre, 2 champi, du titane. Allez, du cuivre, s'il te plaît. Du cuivre, parfait. Il me faut encore 1 de cuivre. 2 champi. Les champis sont là. Allez, 1 de cuivre. Non, ça, c'est pas un caillou. Putain, attention! Ah, saloperie. Je vais récupérer le soufre qu'il y avait. Ah, virage serré, t'as pas réussi à m'avoir là. Du titane. Ça, c'est du quartz. Allez, s'il vous plaît, donnez-moi du cuivre. Ici, c'est la caverne d'Ali Baba. Merde, putain! Ah, ouais, j'ai pris cher là par contre. Allez, du cuivre. Vous savez quoi? On va fouiller un peu cette caverne d'Ali Baba. On va se dépêcher par contre parce que. Soixante, cinquante-quatre. Putain, il y en a encore un, mais merde!
Ouais. Je remonte tout de suite. Putain. Il est trop drôle le gros poisson. Ouais, tu vois, il y a des poissons qui sont trop fun, ouais. Pfff, j'ai eu peur. À niveau quartz, on va être tranquille pour le moment. Allez, on a deux cailloux de plus à récupérer. Tac. Mais ouais, cette caverne, elle est bien. Encore du cuivre. J'ai récupéré deux champignons de plus. Je pense que je suis full, hein. Ouais. Il faut aussi que je me fasse un couteau. C'est juste là. Bon, un petit coup. Je fais la pile. Le fil de cuivre. Et après on a le Seaglide. Vous allez voir la vitesse à laquelle on va aller. Déjà, ça va pas être la même. Ça va, tu es vraiment proche d'un bon slot de ressources. Ça y est, j'ai le Seaglide. Jackpot. On va faire une balise. Est-ce que ça peut servir? Il vaut mieux en avoir quelques-unes sur soi que pas en avoir du tout. Ok. Ensuite, j'aimerais bien me faire un couteau. Je sais pas si je peux le faire tout de suite. Caoutchouc en silicone, on en a ici. J'en ai pas. Il va me falloir de la vigne pour ça. Pile, fil de cuivre. On va faire un avant-poste ici en plus, hein. On va faire un avant-poste rapidement. On va faire un constructeur d'habitat. D'abord je veux le couteau. Et pour le couteau donc du silicone. Ok. Et de la vigne. On va récupérer deux de vignes. Les vignes elles sont là-bas. Donc là j'utilise le Seaglide. Regardez la vitesse à laquelle je me déplace. C'est pas la même, hein, déjà. Ça va quand même bien plus vite. C'est quand même beaucoup plus rapide. Tac. On a fouillé cette zone, il me semble. Hein. Oui, cette zone-là, on l'a fouillée, ouais. Tu en as dans ton stock. C'est vrai? J'ai pas fait gaffe. T'es sûr? Ah ouais, j'ai des vignes dans mon stock, j'ai pas fait gaffe. Merde, je suis un poulet. Ici le racine de détresse reçu. Une opération de sauvetage sera expédiée à votre emplacement dans 9. 9. 9. 9. Dans longtemps, dis donc, hein. Continuez de surveiller d'éventuelles transmissions d'urgence et autres capsules de survie. À vos ordres. Ah oui, je... Non, j'en avais pas sur moi, du coup. Regarde, c'est juste là. Ah, j'en avais un ici. Ouais, mais je crois qu'il m'en faut deux, non? Après, c'est pas perdu, au pire. Mais ouais, t'as raison, j'en avais un sur moi, ouais. On va pouvoir sortir le couteau. Le couteau de survie pour récupérer les échantillons. Prochain objectif, constructeur d'habitat, on va tout de suite se faire sa base, comme ça on va pouvoir améliorer. Qu'est-ce que j'ai fait là? Une balise. Oh. C'est pas perdu. Ça nous sera utile, c'est sûr. Donc on va faire un constructeur d'habitat. Il faut un circuit intégré, kit de câblage et une pile. Déjà la pile, on va la faire tout de suite. Voilà, ensuite. Kit de câblage, il nous faut 2 minerais d'argent. Très bien, circuit intégré, échantillon de corail plat, de l'or et fil de cuivre. Ok, pas de soucis. On va faire comme on faisait avant, hein, vous savez quoi? On va pas se prendre la tête. Je vais tout mettre ici. Là.
Les balises. J'ai quand même pas mis mon couteau dans l'eau. J'ai gardé mon couteau, ouais. Nickel. Voilà, impec. Poubelle. Il nous faut des minéraux rares. Couteau sur le 3. Oui, non mais... Non mais... Tu as raison. C'est impossible de jouer avec le couteau. Non, non mais... Non mais j'avoue. Cactus. Sur les années de CSGO, hein. Mais moi c'est pareil, le couteau s'il est pas sur 3, j'avoue que ça me perturbe aussi, ça me trigger aussi, c'est clair. Ok. Alors, je vais y penser tout de suite. Les échantillons de corail, il m'en fallait deux. Nickel. Ça c'est du cuivre, hein, parfait. Il va nous falloir des minéraux un peu plus rares, hein, c'est possible. Wow. C'est beau, dis donc. Là, c'est un petit peu plus compliqué de pouvoir se repérer la nuit. Ça y est, voyez. Oh putain! Regardez les amis, on a trouvé ce qu'on cherchait. Trop bien. Voilà, c'est des affleurements de grès. Et là-dedans, en fait, souvent, il y a de l'argent et de l'or. On va scanner ça, tiens. Juste avant, tac. Oxygène. Ouais, il faut pas qu'on traîne ici, par contre, effectivement. On a trouvé de l'argent. De l'or. Hein. Et encore de l'argent et du plomb. Ok. On va sortir d'ici parce qu'on est quand même assez loin. Ça pourrait être dangereux. On a combien de mètres de profondeur? On est... Si vous voulez savoir à combien de mètres on est, c'est marqué en haut, hein. Un œuf de créature, ça nous intéresse pas. Il y a des autres créatures partout ici, donc. Ok, un petit peu de cuivre encore. Ouais. Clique droit sur le Seaglide. Ah putain, mais oui! Primotep, oui, tu gères. J'avais zappé ça. Merci poulet, tu gères. J'avais complètement oublié qu'on avait la lumière avec le Seaglide. Donc à mon avis... À mon avis, il y a des trucs que j'ai pas vu ici. Cette caverne. Tu apparemment on a tout vu. Ça arrive pas à trouver. En vrai, ça peut être vraiment fatal par moment. Il suffit juste en fait de se retrouver coincé dans une caverne, de pas trouver la sortie. Et ton compte est bon, hein. Faut être prudent quand même. Ah mais merde! Mais foutez-moi la paix! Quelle agression, c'est pas vrai. Ah, cette zone elle est magnifique aussi. C'est pas une des plus belles, mais c'est une zone bien sympa. J'arrive pas à trouver ce que je cherche. Attention, hein, eux, ils sont pas copains. Hein. Pas être trop proche d'eux. On est à 73 mètres de profondeur. On peut remonter facilement encore, ça va? Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Fragment de baie, véhicule mobile. Cool, ok. Ok, on est dans le biome. On est dans le biome de l'herbe rouge. Oublie pas que ton Seaglide peut te cartographier des reliefs qui entourent si jamais. Oui, c'est vrai.
Et il faut aussi que je pense à avoir une pile sur moi en permanence parce que le Siglaïd a besoin d'une pile pour pouvoir... Il a besoin d'une pile en fait pour fonctionner. Découpeur laser, ça pourrait être utile pour fouiller les épaves. Nice. Tiens, on va récupérer du sel. Ouais, moi en fait il me faudrait un d'argent s'il vous plaît, c'est tout ce que je veux. Et je vais pouvoir donc continuer de craft. Je me rappelle même plus ce que je voulais crafter à la base, hein. Je me rappelle plus, mais je sais qu'il me faut un d'argent. Ah si, c'est un espèce de circuit imprimé je crois. Le Siglaïd. Ok, les débris métalliques. Salut Flavie, tu vas bien? Merci Glorion pour les 20 bytes. Tiens-toi là un peu d'argent. Merci à toi poulet. C'est pas ça que je veux moi, c'est le minerai, c'est... Mais merci quand même en poulet, merci à toi. Ah c'est galère à trouver hein, vous avez vu, on a du mal à trouver. Ah ça y est, de l'argent, s'il vous plaît. Mais putain il m'a donné du plomb. Waouh, ces cavernes elles sont ouf. Ouais attention par contre hein, c'est toxique. Ça peut être fatal. Donc là, si on veut pouvoir ouvrir ça, il va nous falloir des coupeurs laser, il me semble. Ah, peut-être pas, remarque, attends. Non, on peut pas ouvrir ça, ouais. La qualité du stream est correcte, hein, y a pas de soucis. Côté vidéo, son, tout ça. Je pense que le son, c'est good, mais côté vidéo, il n'y a pas de perte d'image. De mon côté, franchement, c'est nickel. Le jeu est plus fluide que jamais, hein. Ah, c'est bon, j'ai trouvé de l'argent, parfait. Attention, attaque! Est-ce qu'on a un truc intéressant là-dedans? Est-ce qu'il m'a lâché? Non, oh putain, il est toujours en train de m'attaquer! Allez, vite. Vite. Nickel. On a réussi à l'esquiver. Ok, on peut faire la baie de véhicule mobile. On va pouvoir faire le... Oh, je vais pouvoir faire mon premier vrai véhicule. Ça, c'est un scooter en fait. Voilà. Je vais pouvoir me faire une voiture. Dans l'exemple, hein. Dans l'exemple, bien sûr. Tac. Je fais quoi en premier? Je me fais d'abord ma base, je pense, non? Côté vidéo, c'est bizarre. Le rendu donne comme si tu étais sous l'eau. Putain, n'importe quoi. J'adore. Salut, c'est Bonobo. Ça roule ou quoi? Tu vas bien mon poulet? La forme aujourd'hui, comment ça se passe la campagne en super dur? C'est trop bien, c'est juste trop bien. Je suis trop content d'être de retour sur sur Subnautica, c'est vraiment c'est que du bonheur. Et toi tu vas bien? Attendez, il y a un truc là aussi. Oxygène. Ouais, j'y vais tout de suite. Putain, en plus on est à 51 mètres. Victor, le nu vaincra le monde. Merci pour les 100 bytes mon poulet. Salut Destroy, tu vas bien? Ça roule ou quoi? Hello tout le monde, une heure avant d'aller commencer ma soirée d'essai, panique. Allez courage mon poulet, t'inquiète, ça va bien se passer. N'y pense pas trop. N'y pense pas trop, tu vas te mettre la pression pour rien sinon, tu vois ce que je veux dire? Je suis sûr que ça va bien se passer. C'est quoi, encore un fragment du bioréacteur? On apprend tellement de trucs. Ça y est, on peut faire un bioréacteur. Ok. Je peux pas? Non, je peux pas. On va pouvoir rentrer à la base. On va se récupérer quelques petits poissons sur la route au passage. Alors, où se trouve ma base? Ok, je suis là-bas, je suis à 400 mètres. Bon, on est pas trop loin, ça va. Tu as raison, je vais y aller comme ça. Ça me paraît bien. T'inquiète, ça va rouler, poulet. Plein de courage pour ça, en tout cas.
Oui, tu commences par ta base, tu pourras y construire des armoires. C'est ça, c'est ce que je suis en train de me dire, ouais. Je vais pouvoir stocker comme ça. Ouais. Victor, le nuque vainqueur à 2-0. Merci, poulet. Merci pour les 100 bytes, merci à toi. Alors... Non, il n'y a rien à analyser par ici. Pas d'épave. Avec un peu de chance, on va pouvoir tout faire d'un coup. Donc on a dit qu'il fallait faire... Où es-tu ? Constructeur d'habitat. On a la pile, on fait un kit de câblage et un circuit intégré. Le kit de câblage, c'est good. Le circuit intégré, il nous faut du fil de cuivre. On l'a là. Et le circuit intégré, nickel. On peut faire le constructeur d'habitat. La musique, quand tu fais un truc, là, quand tu synthétises un nouveau schéma, etc., enfin, quand tu apprends des nouvelles choses, je trouve qu'elle est trop satisfaisante. Ça fait vraiment... Oh, victory. Elle est vraiment trop cool. En vrai, on pourrait la prendre et la mettre sur le stream deck. Ça pourrait être pas mal dans certaines situations. Tac. Parfait. Je construis ma base ici en vrai. Enfin, ça sera pas vraiment une base, ça sera un avant-poste. On va d'abord aussi faire fondre les débris pour du titane. Elle fait waouh. Ouais, j'avoue. Ouais, c'est ça. Exactement. Et vraiment, cher Coordinator, tu as troqué l'île pour les profondeurs insondables et plein de microbes de l'oubli depuis le temps que tu en parlais. Mais grave, je suis trop content d'être dessus. J'espère que tu vas kiffer le jeu Coordinator. Si tu connais pas et que tu découvres le jeu maintenant, j'espère vraiment que tu vas kiffer, mon poulet. Tu vas bien sinon? Ça roule ou quoi? Encore du titane. Il nous faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de titane pour faire un avant-poste. Il nous en faudrait, je pense, une trentaine. Constructeur d'habitat, le voilà. On va le mettre sur 5. Il va y avoir un bug. Ouais, il y avait un petit bug. Rien de trop grave. Ça, je le mets ici. Alors... Du l'extérieur, non. Pièce intérieure, divers. Bioréacteur qu'on peut faire, très bien. Fondation, compartiment. Fenêtre, écoutille, connecteur vertical. J'ai pas les trucs de base. J'ai pas la pièce de base en fait. Donc je peux pas. Je peux pas encore faire la. Je peux faire un bioréacteur, mais je peux pas faire la pièce de base. Tu avais dit que t'allais faire une pile pour ton scooter des mers. Ah oui, effectivement aussi. Ouais, bien vu. Faut que je fasse une pile, c'est vrai. Pour ça, il va nous falloir des champignons. Il va falloir aussi qu'on se ressource un petit peu. Donc... T'inquiète, s'il dit cette phrase, c'est qu'il a regardé le let's play de Fanta. Alors attends. Pile. Kit de câblage avancé. Je me fais la pile dont on parlait. Ensuite... Il nous faut de l'eau. Pourquoi les kits sont verts? Normalement ils sont rouges. Ça me perturbe. Ah, ça y est, t'as remarqué? Mais ouais, c'est trop bizarre. Première fois que je prends le kit. J'ai pas compris.
Il va falloir qu'on explore un peu encore, les amis. Hein. On n'a pas le choix. On va devoir explorer. De toute façon, on se fera notre base ici, donc on peut encore laisser tout ce qu'on a récupéré là. C'est pas problématique. Voilà, c'est pas perdu. Et on repart en exploration tout de suite. Ouais, il reste 31 d'énergie sur mon Seaglide. Je sais pas trop où je me dirige, j'y vais un petit peu au pifomètre. Pas l'impression qu'on soit passé par ici. Allez, il faut qu'on explore et qu'on arrive à trouver des choses à scanner. Ouais, on n'est pas venu ici. Nickel. Pour l'instant, j'ai pas peur, mais à mon avis, quand on va se retrouver dans les zones où on sera un peu plus en profondeur, là, je risque d'avoir les miquettes. Ça fait une heure déjà qu'on est sur le jeu, ça passe trop vite. Ça passe beaucoup trop vite, c'est pas possible. Là, parfait. Regardez tout le truc qu'il y a à récupérer là. Trop bien. On va pouvoir apprendre plein de nouvelles choses. Découpeur laser, je crois en plus que c'est la partie qui me manque. Non, il m'en manque encore une. Des débris métalliques. Y'a pas moyen de faire de découpeur laser. Et pas encore, bientôt. Bientôt je vais pouvoir le faire là. Il me manque un petit schéma encore. Fragment du bioréacteur. Ça on l'a déjà appris donc on récupère. Récupère des trucs, nickel. Des débris métalliques. Fragment de la salle de scanner. Cool. On est à 90 mètres de profondeur. On va remonter tout de suite. Vous avez vu, on entend des bruits bizarres depuis tout à l'heure. C'est ça là-bas, vous avez vu? Ces deux espèces de gros... De gros, on dirait des espèces de d'énormes raies en fait. Il y a des on peut trouver également des choses sur ces créatures, mais il n'y a pas grand chose d'important hein, mais on peut trouver des fois des pierres précieuses, ouais. On peut trouver partout ailleurs. Ces énormes raies, mon dieu. Salut Gabi, tu vas bien? J'espère que t'as joué l'espace de mon poulet. J'offre un Subnautica. C'est super gentil Razen, merci beaucoup. Attends, on va faire un tirage au sort. On va faire un petit tirage au sort du coup. C'est super gentil, merci à toi mon poulet. Débris métallique. Tu veux qu'on le fasse gagner tout de suite? Fragment du bioréacteur. On a récupéré beaucoup de titane, vraiment. Ouais, ok, c'est super gentil. Merci beaucoup Razen. Les amis, faites point d'exclamation free du coup. Dans le chat, si vous voulez tenter de remporter une clé Subnautica offerte par Monsieur Razen. Un grand merci à toi, mon poulet. Ce jeu qui est juste incroyable. Oula, regardez, il y a pas mal de trucs rares, là. Enfin, c'est rare. Oui. À notre stade du jeu, c'est rare. De l'or, cool. Est-ce qu'on a d'autres gisements du même genre? Ouais, il y en a un là. Non. Remarque, il pourrait y avoir du cuivre, ça pourrait être intéressant. Nickel. De l'argent, parfait. Désolé, je peux pas participer pour cette fois. Y'a pas de soucis, mon poulet, t'inquiète, y'a aucun problème. Je veux la commande de Blood. Ah, jeu de merde. Ok, je sors. Salut Lord Dédé, tu vas bien? Ah, tu peux pas dire que c'est un jeu de merde. C'est pas possible. Les amis, on fait le tirage au sort dans 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vas-y, pète les rotules. Et le grand gagnant est Néo. Félicitations Néo, GG à toi. Un gros GG à toi. Mon cher Razen, est-ce que je peux te laisser envoyer le giveaway directement en MP à Néo si ça te dérange pas? Sinon, je le fais à la fin du stream. Tu me dis, y a pas de soucis. Débris métallique. On va commencer à être full. J'aimerais bien continuer d'explorer. J'en suis où là? Ouais, j'ai quand même pas mal de titane. Vous avez dépassé votre objectif d'exercice de la semaine de 500%. Les données indiquent que nager est votre activité favorite. Putain. Assurez-vous de varier vos exercices pour un développement uniforme de vos muscles. Radiation détectée. Attention, on s'éloigne d'ici. On s'éloigne de cette zone. On peut pas venir ici. On n'a pas ce qu'il faut. Pour l'instant.
Non, on a enlevé le train de live sur la chaîne. Ça fait un moment qu'on l'a enlevé pour éviter du coup que les plus petits soient incités à prendre la carte bleue des parents par exemple pour participer au train de live, pour récupérer des émotes ou des trucs comme ça, tu vois. On en avait parlé avec Bluzy un moment et on voulait éviter ce genre de choses. Bien que voilà, ce soit pas non plus que ça qui déclenche ça, mais c'est pour essayer de... pour tenter d'éviter. Après c'est vrai que vous avez été nombreux à le réclamer, ce fameux train de live. Vous avez été super nombreux. C'est quoi? Encore des débris métalliques? Bon, on va les récupérer. Les caisses fermées peuvent vraiment pas être ouvertes. Et non. C'est frustrant d'ailleurs, t'as vu hein. Débris métalliques. Allez, on va back home. On va faire fondre tout ça. C'est quoi le nom de la pièce principale, en gros, où je vais pouvoir mettre mes armoires? Je me rappelle plus ce nom. 5% de batterie? Ouais, on a une pile de rechange. On a pensé à la faire. Heureusement, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a dit « Fais ta pile ». Des bruits bizarres les animaux. Ils font des bruits bizarres ces créatures, dis donc hein. Oh là là. Salle multifonction. Yes. Et la salle multifonction va peut-être être ici. On a déjà fouillé cette zone. Non, c'est pas ici. Merde. Ouais, il faut absolument qu'on arrive à trouver... à scanner du coup une salle de multifonction détruite pour pouvoir en faire une. Ouais. Alors on va encore un peu plus dans les profondeurs. On va aller par là, on va voir ce qui se passe. Là on est où? On est encore dans la zone aux plantes. Ouais non, on n'est pas vraiment dans la zone aux plantes là. Dans la zone aux herbes rouges, c'est ça hein. Attention parce qu'ici il y a quand même pas mal de profondeur, ça va commencer à être un peu flippant là. Ok parfait, regardez. C'est quoi ça? La salle de scanner, trop bien. Alors on se dépêche, on la scanne et on monte tout de suite. Nickel. Ouais là c'est un peu haut par contre mais ça va, on est large, tout va bien. Elles sont impressionnantes ces créatures, vous avez vu? On peut t'aiguiller un peu pour t'aider pour trouver la salle multifonction. Non, j'aimerais ne pas avoir d'indice si possible. Mais merci en tout cas, merci Cactus, c'est super gentil. Je préfère être vraiment en mode je me débrouille. Je connais le jeu maintenant, tu vois, je me rappelle pas de toutes les pièces. Fragment du C-Mode, c'est trop bien. What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi? Pourquoi il y a un compte à rebours là? What the fuck? Ah oui, oui, il y a le vaisseau qui a explosé, putain! Le réacteur de l'Aurora qui a pété, la radiation qui est partout. Putain, il va falloir que j'aille dans l'Aurora. Bah boum, c'est ça. Attendez, le C-Mode. Alors ça donc, tout à l'heure je vous avais dit que le Siglite c'était... Faut que je fasse attention, il y a cette plante qui m'envoie des pics. Tout à l'heure je vous avais dit quoi? Je vous avais dit donc que le Siglite, donc le véhicule que j'ai là, avec lequel je super vite depuis tout à l'heure, c'était donc en gros mon scooter, hein. Face à le scanner. Eh ben le C-Mode, ça sera donc... Ça sera donc ma voiture, grosso modo quoi, hein, pour résumer un petit peu. Ça me permettra de me déplacer super vite. Ça va être trop cool. Tac, tac, tac. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Là. Hop.
petit boomerang à récupérer. Peut-être quelque chose là-dedans. Des coupeurs laser. Allez, on se dépêche de remonter. Comment vas-tu, Razor? Tu vas bien? C'est relou quoi? Pendant encore une heure, le jeu est en promo à 13€ sur l'Epic Store. Cette musique est tellement relaxe. La musique est juste géniale, ouais. La musique est grave cool. Mais tu l'as débloqué, le découpeur? Ouais, je l'ai. Il faut que je le crafte. Pour l'instant, j'ai pas encore eu l'occasion d'avoir de trucs à ouvrir. J'ai pas encore vraiment... J'ai pas encore localisé d'épave pour l'instant, tu vois. Tu vois, par contre, là, je vais regretter. Là, je vais regretter de pas avoir le découpeur. Parce que je vais avoir besoin du découpeur. Tu vois, j'en ai un là, mais je peux pas le prendre. Putain, les boules. Hein. Eh, quoique, non, même pas. Nickel. Ouais. 100 mètres de profondeur. Demain, c'est ma fête. C'est vrai? Ah, c'est cool ça. Salut Nico, tu vas bien? Merci, je te souhaite également une très bonne année, mon poulet. Plein de bonnes choses pour cette nouvelle année, mon poulet. En vrai, t'en avais localisé une d'épave avant. Non, découpeur laser, on s'en fout. Parfait, j'ai trouvé de l'eau, c'est nickel. Ça nous intéresse vraiment de scanner le bureau? Oxygène? Finalement, il n'y a pas grand chose d'intéressant ici. Donc demain, le changement de map sur Arc avec Mitsu et les autres... C'est vrai que c'est demain, on est vendredi demain. Le bureau pour ta future base, je suppose... Ouais, mais le bureau, il sert à rien. C'est pas utile. Il te faut bien un bureau pour stream, non? Yes. Attendez, hop, c'est par là-bas, du coup. Alors attendez. On peut pas améliorer l'oxygène? Si, on peut. Mais pas tout de suite, mon poulet. Bientôt, on va pouvoir améliorer encore l'oxygène. Là, ce que je suis en train de chercher, en fait, c'est la salle multifonction. Si je passais par la droite, je pourrais peut-être croiser d'autres épaves. Et j'aurais peut-être du coup le truc que je cherche, ouais. Regardez ici par exemple. J'ai pas scanné cette zone. Il pourrait y avoir des choses intéressantes. Fermé. C'est des débris métalliques, très bien. Ok, donc tout ça en fait, non, j'ai déjà... J'ai eu l'occasion de passer par ici apparemment. Mais là je pense qu'on va un petit peu loin peut-être, non? Ah, cette zone elle est magnifique. Ça là par exemple c'est quoi? La coque du cyclope. On est un peu loin, ouais. Oxygène. C'est rare de réussir à... Ouais, on a 160 mètres, c'est vrai, t'as raison. Ça craint. C'est dangereux là, je joue avec le feu. Je suis en train de remonter progressivement.